Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord. On se retrouve pour commencer la nouvelle mission de campagne. Et on a pas mal de choses à faire. On doit construire une glaiserie pour notre premier objectif, mais malheureusement ça coûte 100 de roseaux. On n'en a pas assez, il va donc falloir qu'on récolte. On a aussi Zikina et Erdarine qui sont direct porte-hache au démarrage, ce qui va nous coûte un max de thunes, hein, 20 balles par minute. En plus, Ardarine, j'ai fait gaffe, du coup, j'ai vérifié à ce truc-là qui ne fonctionne pas parce que c'est une amulette et que donc le symbole de porte-hache prend la main dessus. Sachant que cet objet-là, il donne de l'expérience au combat avec tous nos porte-haches sont déjà full. Je pense pas que ça vaille le coup de le garder. Donc, si on trouve un ermite, on le virera. En attendant, on va faire avec. Donc du coup, Malvin, il va aller ramasser du roseau. Zmosis, il va explorer, c'est très bien. Ardarine, toi, t'es plutôt en extraction, même si c'était pas ouf. Donc tu vas aller pêcher pour le moment. Non, nourriture, t'es pas bon. Non, tu vas aller ramasser du roseau. On a besoin de roseau. Malice, t'as pas de champignons, donc tu vas aller pêcher. Chobiti, tu vas aller prier un peu. Akatsuki, tu vas travailler au bois. Et Zikino, tu vas aller. Zikina, pardon, tu vas aller pêcher. On verra pour construire ce truc-là plus tard. C'est parti. Changez-moi de rôle rapidement. Zmosis, du coup, construit. Bah écoutez, parfait. Il va falloir qu'il aille explorer assez vite le Persmoisis. Parce que mine de rien, c'est un petit peu tout. Quelqu'un a déclenché le dispositif d'alarme. Ah d'accord, on a directement une araignée soldat cache. Go, Moses, go. They're destroying our gourd. Voilà, Moses, il va faire le taf, hein. Pas de problème. Vas-y, retourne faire ça. Ici on pêche, très bien. Qu'on mette éventuellement un petit peu de lumière sur tout ça. Alors Zmosis, tu vas déjà nous faire une première exploration. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc là? Visiblement, il y a probablement d'autres araignées par là, c'est rare qu'elles soient toutes seules. Ouais, go. Oula, elles sont peut-être un petit peu trop nombreuses là. Ça nous attaque dessus à distance, ces enfoirés. On peut lancer un petit sort déjà. Un petit cri de guerre sur Zmosis. Ouf. Il est capable de taper les deux d'un coup, du coup. Ok, très bien. Parfait. Zmosis, tu nous prends des plantes rouges. Voilà. Déjà, il a nettoyé la zone de base. On va faire une petite exploration. Là, on a trouvé quoi? Des roseaux. On a trouvé des bestioles aussi encore dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Des loups. Ok, des loups. Là, ça c'est de la chasse, très bien. Ici, ça pourrait être pas mal de construire peut-être un petit dispositif lumineux, mais on a ce qu'il faut pour construire notre glaiserie. On va faire notre glaiserie direct. Elle est un peu grande la glaiserie, est-ce qu'on peut la rentrer quelque part là? Non, avec cette foutue sculpture, on peut pas la rentrer. Du coup, on va la mettre ici. Ce serait pas mal là, on peut ou pas? Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Ok, parfait, on va la mettre là. On va finir notre petit tour de première découverte avec Zmosis. Ah, on peut pas passer par là. Ok, donc ça c'est un cul-de-sac, très bien, c'est bon à savoir. Donc va nous réparer ça et après t'iras t'occuper du reste.
construire la glaiserie et on enverra probablement Ardarin directement dedans. Et peut-être Chobiti plutôt que prier. Elle est assez bonne en récolte, extraction minière c'est le gros départ. Et Malice, extraction minière elle est à zéro aussi. Ok, donc on va certainement envoyer nos deux personnages. Allez, Chobiti, viens construire ça. Et Ardarin, t'es où? Ok, il est en train d'en revenir avec ses roseaux. Une fois qu'il sera revenu, est-ce que je peux lui dire dépose tes roseaux et après. Bah non, tu vas pas faire la construction, mais ça reviendra au même. Voilà, tu vas aller ici et ici. Alors, il va falloir aussi que on envoie Chobiti et je pense qu'on va faire peut-être. Ah non, on a plus du tout le roseau là. Donc moi aussi, s'il va aller faire autre chose. Moi aussi, s'il va aller fouiller un peu. Donc on a des petits dispositifs d'alerte un peu partout. C'est très bien. Là, il y a un cadavre. Symbole de pêcheur. Tiens, bah Malice. Alors toi, pousse-toi. Malice, tu prends le symbole de pêcheur, s'il te plaît. Après, tu retournes là. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est sûrement utile pour toi. Uniquement pour pêcheur. Ah, mais t'en as déjà un. D'accord, zut. Et ça, c'est pour les cueilleurs. Qui c'est qui nous attaque? Qui c'est qui se fait attaquer? C'est Chobiti qui se fait attaquer par des sangliers. Fonce, petit Moïsis, fonce. Ok, on a réussi à nettoyer ça. Là on a quoi? Des vêtements chauds et ça c'est extraction minière plus 70. Chobiti. Ramasse ça puis reprends. Et d'ailleurs je pense que tu vas aussi ramasser ça et après prendre ça. Les vêtements chauds ça fait quoi? Les pénalités basées sur les conditions météorologiques sont réduites de 25%. Ok, très bien. Et bah c'est parfait. Zmosis, est-ce que tu peux nous construire un dispositif lumineux ici? Vas-y. Au taf! Donc Chobiti regagne sa vie tranquillement. On va explorer un petit peu le coin pour vérifier qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ici c'est de l'eau. Là c'est de la chasse, là-bas il y a des animaux encore. Ouais, ça fait beaucoup d'indomptés là. Il y en a Ardarin normalement qui est là. Hein. Est-ce qu'ils viennent jusqu'à nous? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. J'aime les marais, même s'ils ne sentent pas très bon, nous disent Moïsis. Bien écoute, nous sommes heureux de l'apprendre. Ça a du champignon. J'avais pas dit que je construisais un truc de champignon d'ailleurs. Bon, c'est pas une priorité peut-être. Malice, de toute façon, elle a un objet pour les champignons et un objet pour la pêche. Ok, ici c'est encore de l'eau. Très bien, on va compléter notre petit tour.
Ok, au moins on a fait le tour. C'est quoi ça? C'est la chasse, ok, très bien. On a fait le tour de notre petit gord. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire le tour de Slag, voir ce qu'il y a? Là, il y a un piège. Ici, il y a des ennemis, des petits loups. Ok. Moi aussi, si tu peux gérer des petits loups, je pense, ça évitera qu'ils viennent nous embêter plus tard. En plus, il y a des trucs à ramasser. Oui, non, ils sont nombreux quand même. On va te lancer un petit cri de guerre des familles sur Zmoïsis. Il fait pas des attaques de zone là. Mais bon, 4 coups, il peut tuer un loup, ça va. On ira prendre après la petite plante. Ça devrait aller, même s'il va faire un peu la gueule quand même. Dommage, on aurait pu le tuer là. Allez, finis-le avant de mourir, ce serait bien. Parfait. Tu ramasses ça. Là, il y a encore des trucs, des herbes médicinales. Ah, et cette fois, alors les herbes médicinales, cette fois, elles sont tombées au sol. Ah, et donc voilà, rend instantanément 25% de points de vie lorsqu'un sujet est blessé, l'objet est détruit après utilisation. C'est donc pour ça qu'à chaque fois, elles tombaient. On va donc lâcher ça. Prendre les herbes médicinales, hop là, du coup ça nous donne de la vie et on peut reprendre le crâne de berserk. On va aussi ouvrir ici et là on a quoi? Alors, un totem de type inconnu. Ça ressemble au totem d'exploration, ça. Ok. Donc c'est un. Il était maudit, donc on a perdu un petit peu de foi, mais visiblement c'est pas. On s'en mettra, on va dire. On est déjà au max de nourriture. Et ben on va envoyer Zikina récolter de la glace plutôt. Ouais, la storehouse, c'est pas une priorité. Honnêtement, avec 500 de bouffe, on n'est pas non plus dans le mal, hein. Zmo ici, s'il fait sa petite exploration. Là, on a détecté des animaux, donc on va pas trop s'approcher. En fait, hein, le fait d'explorer, ça débloque des nouvelles zones pour ramasser des roseaux, pour pêcher, etc. Ce qui fait qu'automatiquement, nos mecs y vont. Mais s'il y a des monstres à côté qu'on n'a pas géré, bah ça peut être gênant. Le souffle de création, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on raconte que le premier souffle du créateur parcourt encore ce monde et bénit tout ce qu'il touche. Rareté de l'objet unique, catégorie remède, lorsque le sujet qui le porte meurt autrement que de vieillesse, il revient à la vie. Les affections qui avaient pu causer la mort du sujet ne sont pas soignées pour autant. Ok, ça lui permet de ressusciter une fois. Et ça serait pas mal à la place du symbole de portage d'Ardarine par exemple. Zikina elle est pleine de toute façon. Aketsukouet. Tiens, Aketsukouet. T'es ouf. Tu vas aller ramasser ce truc, histoire qu'il soit dans notre inventaire. Et tu passes à travers une zone qu'on connaît pas, ce qui n'est pas cool. Donc on va aller l'explorer. Avec Zmoïsis, c'est parti. Un petit tas de pierres. Truc là, c'est genre vraiment pour que ce machin-là reste tout le temps. C'est pas évident. Ok, on a fait à peu près le tour, c'est pas mal. On va donc probablement pouvoir mettre une petite patrouille en place. On continue d'explorer, on peut peut-être continuer d'explorer. Pas sûr que la patrouille soit très pertinente, sachant que là on sait que ici ils nous ont découvert de la glaise. Ce qui veut dire que nos mecs vont vouloir y aller. Je
Je suis pas du tout dans le bon sens sur la map, ok, d'accord. Le nord est par là, très bien. Ok, donc il faudrait qu'on explore le chemin pour aller là-bas. On avance, Moïse 6. Un coffre, très bien. Encore un souffle de la création, B. Qui pourrait le prendre? Un Chobiti. T'es où? Ok, tu vas aller ramasser le souffle de la création. Et après, tu reviens là. On a trouvé un petit peu de roseau. Alors, est-ce qu'on peut pas lancer quelques constructions utiles? Genre un camp d'entraînement à la hache, c'est probablement utile si on veut pouvoir faire revenir nos mecs en hacheurs rapidement. Des petits dispositifs lumineux à droite à gauche. Autour des zones de pêche là. Dispositif d'alarme près de la porte. Là ils pêchent ici, ok. On leur fout un petit dispositif lumineux ici aussi. Et Moïse, du coup, tu vas aller nous construire un petit peu tout ça. Ce sera très bien. On a cramé tous nos roseaux, mais Malvin est très efficace, donc ça va faire le taf. Allez, viens construire ça après. Après, tu viens construire ça. Après, tu viendras construire ça. Après, tu viendras construire ça. Alors, on a. Non, il nous faut 100 pour la quête. Ouais, il nous faut 100. Donc, faut pas qu'on explore trop parce que c'est pareil. Hein, on a 400 d'or. Donc, si on perd de l'or, ce serait dommage. On va rien améliorer tant qu'on n'a pas nos 100 de glaise. Une fois qu'on aura nos 100 de glaise, on verra. Là, il y a un petit coffre. Peut-être aller jeter un oeil. On sait pas c'est quoi le max, hein. Si, 500, ok. On a encore un peu de marge. Ça va. Il y a encore des saloperies par là. We've run out of storage space for our food. We need to build or upgrade a storehouse. Ouais, le Star Wars, c'est bon. Ah, on a un nouveau-né. A new soul has been born into the world. Une fille. Une fille. Fille de Malice. Eh bah écoute, assiste donc Malice. Je regardais quand même vite fait ce qu'elle peut faire. Elle est assez forte en combat, par contre pas du tout d'expérience en exploration. 20% d'augmentation de la durée du compte à rebours en cas de perte de connaissance, inapte à la production de nourriture. Ah merde, donc tu vas pas faire ça. Tu vas plutôt aller aider à la glaiserie. Je t'ai demandé d'aller aider à la glaiserie. Voilà, ok c'est bon, elle a changé. Moi aussi, si nous construit ça après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait bien d'avoir ces petits trucs là. Hein. On pourrait faire l'entre-deux chasse, il y a pas mal de trucs à chasser. La hutte de cueilleur également. Reste un must-have d'en voir dans un coin. Arrêtez avec cette boue! Allez plutôt extraire du fer! Plus nous en aurons, mieux ce sera! N'ayez crainte, j'en ferai bon usage. Hélas, les meilleurs minerais de fer sont situés dans les marais les plus reculés où pullulent les alligators. Même nos combattants les plus doués se doivent d'être vigilants face à un tel danger. Oui, naturellement, nous ne voudrions pas que nos précieux sujets se blessent. Effectivement, vu comme ça. Du coup, est-ce qu'on a débloqué? Non, on n'a pas encore débloqué le truc. Faut qu'on trouve un endroit, enfin. Quelque chose à. Pour ramasser le fer. Alors, ça veut dire qu'on pourrait améliorer. Est-ce qu'on sait
Efficacité de dépôt 25%. On va commencer par améliorer du coup la glaiserie, tant qu'à faire. Ça me paraît plutôt un bon point. Parce que la nourriture, c'est pas trop un sujet. Et plus on ramasse de la glaise vite, après tout, hein, plus nos personnages sont, comment dire, plus on a de glaise pour améliorer encore d'autres bâtiments. Je vais arriver, je trouve pas mes mots aujourd'hui, excusez-moi. Allez, moi 6. Je crois qu'ils n'ont même pas d'armée en réalité. Je comprends que Chobiti puisse penser ça. C'est quand on voit le mec, comment il réagit. Clairement, il y a moyen de se poser des questions. Vas-y, travaille-moi là-dessus, toi. Et je pense que là, on doit commencer à avoir bien terminé la glaise, hein. Donc il faut qu'on trouve le chemin vers ça. Parce que les mecs sinon ils vont être en galère. Donc moi aussi tu vas aller nous ramasser un peu ce qu'il y a là parce que quand même on va pas laisser ça là. Et après on va faire un dispositif lumineux. On n'a pas ce qu'il faut. Zut. Bon bah. Malvin il arrive avec ses trucs là, mais c'est pas gagné encore. On va aller chercher de la glaise supplémentaire. En plus, il y a moyen qu'on débloque probablement. Qu'on trouve du fer quelque part. Des roseaux, bah parfait. Du coup, fais-nous un petit dispositif lumineux sur le chemin là, s'il te plaît. Voilà. We've run out of storage space for our food. We need to build or upgrade a storehouse. Oui, bah ça va la nourriture, hein. Plus on aura de monde, plus ça ira. Tu devais pas venir chercher ça, Chobiti? Si, tu devais venir chercher ça. Qu'est-ce que t'as foutu? Va chercher ça, s'il te plaît, Chobiti. Bon, une fois que t'auras fini ça. Mais bouge-toi. Alors, un petit tas de pierres, très bien. On peut se faufiler par là. Ah, il y a des animaux là. Et il y a un hôtel aussi. Hôtel forestier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits poloses. 25% en dégâts aux étés, jaillissement de pointe. Le répit ne renvoie aux attaquants des dégâts proportionnels aux dégâts reçus. Ah, la saloperie. La saloperie. Ok. Mais c'est sur le chemin pour aller là-haut. Donc de toute façon, il faut qu'on nettoie le chemin avec Zmoïsis. Donc Zmoïsis, c'est pour toi. Désolé mon gars, mais... Ouh, il fait tellement rien comme dégâts. On peut pas essayer de vivre ensemble paisiblement. Non, ce mois-ci, non. Nous ne sommes pas ici pour vivre paisiblement. Putain, ça va vite cet enfoiré, il va vite. C'est bon, il nous lâche. Ok, bah tu vas peut-être en profiter pour aller construire une petite bagna. Parce que ce serait pas mal de pouvoir se soigner. Voilà, coller. Là, voilà, hop, fonce ici. Et on a une décision. Amnésie. Akatsuko t'a fait une mauvaise chute, s'est cogné la tête et s'est évanouie. Quelqu'un est venu lui porter secours, mais elle a complètement perdu la mémoire. Elle n'a plus la moindre idée de l'endroit où elle se trouve, de ce qu'elle faisait là, ni même son nom. Alors, du coup, on peut la laisser se reposer.
Elle est victime d'une affection dégénérescence cérébrale, moins 50% de points de moins 50 au point de vie, ok. Ou alors moins 20% au maximum de points de vie. Non, on va la laisser se reposer. On peut... Elle peut toujours se reposer à Katsuko, ça va, hein. On va pas non plus. Alors, la dégénération cérébrale, les dégâts des attaques du sujet ainsi que sa production de nourriture, sa vitesse d'extraction minière et sa vitesse de récolte sont réduites de manière significative. La capacité de stockage est réduite pour toutes les ressources. Ah la vache. Bon bah, si on trouve une cabane de sorcière, on te soignera à Katsuko, hein. Ça c'est quoi ça? Affliction mentale. Ah oui, ok, bah c'est la, okay, c'est la dégénérescence cérébrale d'Akatsuko. Ça pique. Ah, c'était ça ou les demi PV, hein, donc bon. L'un dans l'autre, voilà. Bon, les poltoses, c'est la violence. Et on va peut-être se prendre Zikina. Merde, il y a quelque chose qui nous attaque. Où ça? Qui est attaqué? Pour l'instant personne. Bon Zikina, lâche tout ce que tu fais. Ok, c'est où? Zikina, c'est Zikina. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas Zikina? Ah bah t'allais chercher la glaise. Eh bah ok, bah finis ça du coup. Parce que Zikina, elle, elle est pas là pour glander. Même même là, elle est... Même sans sa hache, elle est vénère. Allez, viens là. Pourquoi tu veux pas venir là? Qu'est-ce qui te prend? T'es en train de t'enfuir? Ah, quand t'es en train de t'enfuir, tu peux rien faire, c'est ça? D'accord. Quoi? Le niveau de progression du Gord augmente, ok. Malvin est blessé. Ouf, Malvin il est un peu plus dans le mal là. On va laisser Zikina récupérer sa hache. Vie descend bien quand même. Oui bah la nourriture franchement c'est vraiment pas une... Hein? Allez, tu viens protéger le sujet là. C'est quoi, c'est des loups? Ouais, c'est des loups. Ouh, il va être tendu Malvin là. Hein. Prends ça Malvin, prends ça Malvin. Putain. C'était chaud. Même là ça va être chaud. Fuis Malvin. Fuis. Ouais parce que Zikina je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est pas du tout venue t'aider hein. Our brother has been critically wounded. Ouais il est critically wound mais bon en même temps Zikina elle vient pas l'aider hein donc Allez, prends ça. Voilà, et après tu retournes t'occuper de tes roseaux. Et Zikina, tu m'as déjà coûté 10 balles, et pour l'instant t'es pas hyper bien. Hein. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Veuillez donner des instructions à Shobiti. Bah Shobiti, tu retournes faire ta glaise, t'as pris ton... T'as toujours pas pris ton objet, donc tes instructions c'est que tu vas chercher ça, et qu'après tu reviens ici. Et donc Ardarin est attaqué et il est en train de crever en plus ce con. Il lui reste quoi? Un sanglier ennemi à tuer? Non, faut que tu te replies. Ah, je savais qu'il fallait que je me démerde pour gérer ça. Bon, Zmoisis. Tu sors de là. Avec Zikina, vous allez courir jusqu'ici. On va surveiller parce que là, il faut que Ardarin... Putain, il est loin. Ardarin, il s'enfuit là. Allez, fuir Ardarin. Ok, c'est bon.
Boudu, comme on dit. Arnarine, il a failli crever. Malvin a failli crever. Moi aussi, ça a failli crever. On est bien sur cette map là. Alors, ce total, il fait quoi? Il remonte la foi. Bah écoute, Zmoïsis, vas-y, prie. Voilà, 100 de foi, c'est parfait. Ouvrez-moi ça. T'as trouvé quoi? Tu fais quoi, Choupiti? T'as été prendre ton objet? T'as été prendre ton objet qui ne sert à rien parce que. Pas niveau 5, ouais, bah ça viendra quand ça viendra. Et là, dans ce coffre, on a trouvé je ne sais pas quoi. Chobiti va chercher, il faut aller l'aider là parce qu'elle va, elle va aggro les sangliers en courant vers la glaise avec la fille de Malice en plus. Allez Zikina, voilà, c'est ça qu'on veut. Bim, le coup de hache. Au moins ça calme. Donc ça c'est géré. On a plein de glaise. On va lancer une amélioration du temple qui coûte 50 et qui va nous permettre d'avoir les sorts niveau 2. Et après on améliore notre petite palissade. Alors je sais pas qui c'est qui va bosser dessus et quand est-ce qu'on aura le temps de bosser dessus, mais on verra. Alors bon, la thune ça descend, hein, la vache. Dès qu'on a un porte-hache niveau 5 là, qu'est-ce qu'on a trouvé? De la nourriture, c'est ça? Un objet abandonné. Oui, bah dites-moi ce que c'est. De la nourriture, ok. Elle dans le tas. Oui bah Zikina, allez, va sauver Zmoïsis là parce que hein. Et on a encore un petit truc pour prier, parfait. Ce serait bien des petites herbes rouges à un moment là. Ok, là on entend des serpents, donc c'est des machins qui piquent, on va pas y aller tout de suite. On trouve des champis, là il y a des bestioles, il y a beaucoup de cadavres et autres, donc c'est peut-être bien des indomptés ou un truc du style. Moi ici c'est pas pleine forme, on va pas se mentir. Ok, c'est des loups. Ça va. Ardarine, il se soigne petit à petit. T'en es où, Ardarine? Ah, bah je t'avais rien donné à faire. Bah écoute, va là. Et après, va là. Je sais pas si ça fonctionne, ça. Genre, une fois qu'il est full life, il y retourne. Et bah, il a fait les constructions, c'est déjà ça. Quoique. Ouais, va plutôt faire ça en fait. Donc on a nos sorts, ça y est, niveau 2, rétablissement. Soigne les blessures et les guérit du poison. Eh ben parfait. Afin qu'il puisse continuer à se battre et restaurer l'équilibre de la nature. Mais oui, restaurons l'équilibre de la nature. Allons tuer les loups. Il saute toujours sur Zikina, hein. Du coup, le cri de guerre pour Zmoïsis. Combien de sang allons-nous encore faire couler inutilement? Bah écoute, Zikina, son travail hein, de faire couler du sang. Hein. Je suis bien désolé que ça te fasse cet effet-là, mais. On n'a pas du tout d'indice sur où serait le gisement de fer. Hein. Mais pour...
Pourquoi il y a encore un souffle de création qui traîne là? C'était pas toi qui devais le prendre, Malice? Non, t'étais pleine. C'était qui? Shobiti, elle a pris le sien. C'est Aketsukoet qui devait prendre le souffle de création là. Donc tu vas arrêter tout ce que tu fais, Aketsukoet, tu vas venir le chercher. C'est dingue, hein, ils veulent vraiment pas obéir aux ordres, hein, des fois. Hein. Et après, tu reviens là. Pourtant, je suis quasiment sûr que je l'avais vu courir au milieu de nulle part. Ça, c'est de la nourriture. Non, peut-être. La nourriture, ouais. Alors là, j'ai cru entendre un bruit de serpent qui pique. Mais t'es utile, moi aussi. Si tu es très utile, moi aussi. Ça arrête donc de chouner. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Ardarin Gland. Il a réparé son truc. Est-ce que je peux encore l'améliorer pour 150 de glaise? Bah écoute, va travailler sur la glaise et on a un enfant qui est né. C'est un garçon! Ce sera Nardinus. Et Nardinus, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, Nardinus? C'est le fils d'Ardarin. Et il est habile en récolte. Il a peur des alligators. Allons bon. Pauvre Nardinus. T'es pas bon en combat et t'es pas bon en nourriture. Donc même si t'es bon en explorateur, on va pas te foutre explorateur. On va te mettre à la récolte. Tu vas aller aider à récolter le bois, Nardinus. Alors ça, c'est pas de la plante rouge. On va continuer de se faufiler dans le marais à la recherche de... Alors on a retrouvé de la glaise. Il y a beaucoup de sangliers auprès de la glaise, c'est marrant. Dans ce mois-ci, faut qu'on te fasse un petit rétablissement, je crains. Voilà. Parfait. Plus un EP. Ah bah t'étais pas niveau max. Ah t'as peut-être gagné un EP en combat. Oui, t'es pas niveau max en combat encore. On a trouvé de la glaise supplémentaire. Ça c'est cool. Oh, je le temps pause. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pouvoir aller ramasser de la glaise ici. Ça c'est probablement de la nourriture. Malice, du coup, est-ce que tu peux pas faire autre chose? Peut-être aller nous faire un petit peu de bûcheronnage parce que bon. We've run out of storage space for our food. Visiblement la nourriture c'est un peu trop. Et donc là, pire des tombes s'expose à diverses maladies. Allez Zikina, c'est pour toi. Un panier excellent. Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Pour ramasser de la glaise. Alors Ardarin, t'es déjà plein. Shobiti, t'es déjà plein. Nardinus, tiens, tu vas aller chercher ce petit panier. Vas-y, va chercher ce panier. Cours à travers la forêt. Est-ce qu'il va marcher sur ce piège? On espérait que non. Et après, tu iras assister ici, du coup, plutôt. Pour la récolte. Je crois qu'on avait un autre enfant, non? On avait Alice. Ah, mais elle est devenue grande, Alice. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Elle est devenue grande juste à l'instant, en fait, d'accord. Était une cueilleuse. Ah non, du coup, alors attends. Du coup, non, Nardinus, tu vas continuer d'aider ici. Et Alice, t'es pas du tout une cueilleuse. Tu vas aller chercher le panier. Voilà. Et après, t'iras aider. Alors, tu passes par où? Une zone qu'on connaît pas, non? Ouais, donc on va aller fouiller ça tout de suite. Et après, t'iras t'occuper de la glaise.
Pourquoi c'est grisé? Je ne sais pas. Alice, pourquoi tu veux pas changer de profession? Je t'ai demandé de courir, je t'ai pas demandé de courir. Non, pourtant. Et... Non, c'est de la nourriture. J'ai cru que c'était le souffle... Le souffle machin, là. Ici, il y a des araignées, mais est-ce qu'on peut passer en sécurité? Non, absolument pas. Ah non, mais en plus, elle a marché sur un piège, Alice. Ça, c'est très con de ta part, Alice. On va te soigner. Allez, vas-y, Alice. Prends-nous ça, le panier, là. Et après, j'espère que tu vas bien vouloir changer de profession. Mauvaise profession, bah oui, mauvaise profession, bien sûr. Toc. Elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Je ne sais pas pourquoi elle veut pas. Bah écoute, cours jusqu'ici, puis on verra après. Ici, on continue de fouiller, il y a un cadavre là. C'est quoi ça? Une source de vie. Ah bah voilà. Une source de vie pour Smoosis. Nardinus, pourquoi tu clignotes? Non, tu fais ta vie. Ardarin, il est reparti travailler. Il a fini de glander un peu. Un talisman en bois. Réduit la perte de morale dans l'obscurité de 20%. Oh, c'est fort ça. Malvin, qu'est-ce que t'as fait? Malvin, t'es malade. Espèce de bête. Qu'est-ce que t'as foutu? Une herbe verte. Il nous faut une herbe verte. Herbe rouge, herbe jaune. Herbe verte, il y en a une juste au-dessus là. Va chercher ça et après tu vas pousser jusqu'à chercher ça. Voilà, allez, c'est parti. Est-ce que... Oula, ça a de lag aujourd'hui. Est-ce qu'il obéit à mes ordres? Oui, c'est bon. C'est quoi ce truc? Petite mimique. D'accord. Ah, c'est une sacrée PV ce machin. Attaque spéciale, mimétisme. Elles peuvent prendre l'apparence d'arbres, de serres, de terminières, de gisements ou même de champignons. Ah la vache. Heureusement elle a changé de cible. Ah ouais, le truc de l'enfer quoi. Bon Malvin, tu nous prends ça. Tu peux pas l'utiliser parce que t'as déjà une amulette. Tu vas donner ton chapelet à Elise, qui pour l'instant ne peut pas utiliser ça, mais ça va venir. Vas-y. À nous. On avait des araignées à aller gérer là-bas. Ou de grande taille. Oh la vache. Comme on leur fait mal. Bon, moi aussi si tu souffres. On va prendre un petit peu de soin. Ensuite, tu me regardes ce cadavre qui lâche je ne sais pas quoi. De la nourriture. Et ça c'est quoi? Parchemin de production de nourriture. Bah écoute, moi aussi, t'as qu'à le prendre. On va pas envoyer quelqu'un s'emmerder jusqu'ici. Malvin, t'as pas encore terminé. Ah bah oui, parce que Elise, du coup, elle faisait rien. Et Elise, ça y est, elle veut bien devenir glaisière. Quand même. Une
deux coffres et des petites saloperies. On est bien remis, on va peut-être faire un petit rétablissement sur Zmoïsis avant le combat. Ils nous ont vus. Vache, ils nous crachent du venin dessus, hein, les saloperies. Prenez-moi ça, le premier qui arrive, il est à droite. De l'or et un doigt crochu. Ça, c'est un doigt crochu. Un doigt crochu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, un niveau supérieur égal à 3 dans n'importe quel domaine. Au lieu de subir une affliction mentale, le sujet est soumis à la place à une affliction physique. C'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. Il faudrait qu'on trouve un truc d'alchimie. Bah écoute, Akatsuko, tu vas aller le chercher là. Hein. T'es toujours pas niveau 5 en ramassage, toi? Pourquoi t'es niveau 1 en tout? C'est ton affliction qui fait ça? Ah oui, ça doit être baissé artificiellement pour le... Pour limiter ces trucs, bon, tu vas aller nous chercher ça dans tous les cas. Y a pas d'autres objets sur le chemin, ça c'est de la bouffe. On a toujours pas trouvé de cabane hein, pour enlever son affliction, c'est un peu dommage. Tu vas aller chercher ça et après tu retourneras t'occuper du bois. Et en attendant, ce serait bien qu'on trouve un gisement de fer à un moment. Se soigner ici, parfait. Oh, encore des poloses. Prenez ça. Et toi, Zmoïsis, prends ça. Voilà. Et après, vous m'attaquez ça. Parce que même les haches commencent à être limite hein, en termes de DPS là. Hein. Cadavre ici, un peu d'or peut-être, ouais parfait. On arrive à se maintenir à 400 d'or, c'est pas mal. Malvin ne fait pas grand chose. Eh ben Malvin, t'as donné ton truc, eh ben retourne ramasser des roseaux mon gars. Allez hop, au roseau. D'ailleurs non, tu vas nous faire une hydromêlerie je pense. Alors c'est un petit machin, il y a peut-être moyen de le rentrer dans un... Un petit endroit, genre ici là. Pourquoi tu peux pas le faire là? Quel honneur, tu peux pas le faire là. Je t'ai vu devenir blanc. Voilà. Allez Malvin. Bon, on a quand même beaucoup exploré là au nord. Ce serait peut-être pas mal d'essayer de trouver un chemin vers l'ouest. On va revenir par là. Essayer de se faufiler par là, trouver du fer. Nardinus qui poursuit avec Atsukoued pour voir apprendre un petit peu la vie. De nourriture, ça nous remonte notre stock. Alors la construction de l'hydromêlerie est terminée. Malvin va picoler un coup. Voilà. Et nous, on va fouiller la zone. Qu'est-ce que c'est que ça? De la chasse, ok. Là-bas, j'ai cru entendre des potos, des polots. Ouf. Ça fait mal, hein, le truc qui fait des dégâts proportionnellement, là, du coup, la...
Zikina, elle prend cher. Hein. Moi aussi, si tu vas t'occuper de prendre les plantes, voilà. Avec la glace qu'on a, on pourrait pas améliorer notre tour. Voilà. Et peut-être qu'on peut améliorer... ce truc là, ça fait quoi? Efficacité du dépôt, ouais. Améliorer... ça améliore un peu ça. On peut améliorer les trucs? Non, on peut pas améliorer ça. Les hôtels, on peut les améliorer? Non plus. Ça, si je l'améliore, ça fait quoi? Angle d'attaque, vitesse d'attaque. Ouais, on va prendre ça, tiens. Et Malvin, tu vas aller t'occuper de ça, puis de ça, puis tu feras les dispositifs lumineux à droite à gauche, s'il te plaît. Un ici. Un là. La Malvin. Au boulot, au boulot, au boulot. You can't build here. Des roseaux, ok. Des roseaux, ok. Des roseaux. 200% de gain d'expérience au combat pendant un mois, pourquoi pas. Ça, c'est des araignées. Dans le piège des sérieux, quoi. On n'a plus beaucoup de foi. Tiens donc. Allez ici. Il me faut une herbe verte. Il y a de l'herbe verte dans le coin là. Tas de pierre, herbe jaune. Jaune, rouge, verte. Ok. Là il y a une herbe verte juste ici. Là. Jaune, jaune. Elle était où? Elle est là. Zikina. Cours me chercher ça s'il te plaît. Un petit peu de nourriture, ok, très bien. On va certainement repartir par là après. Déjà, on soigne Zikina. Et ça serait bien du coup. Oula. Un new challenge. Alors. Chaussures en peau de serpent. C'est Zmoisis de nouveau qui se plaint de l'humidité perpétuelle des marais. Tu es 5 ennemis de type polose pendant 25 minutes. Bah, ça va se faire, hein. Il y en a tellement partout. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode parce qu'en fait, il est hyper long. Il est hyper long cet épisode, hein, ça ne va pas du tout. J'espère du coup qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!